Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de Téléfoot consacré à la 18e journée du championnat, la dernière journée des matchs allés avant la trêve hivernale. Alors au sommaire de cette émission, le duel entre Nantes et Bordeaux, puisque la course à la première place est très intense entre les deux clubs. La bonne affaire pour Monaco qui s'impose au Paris Saint-Germain, qui enfonce un peu plus le club de la capitale cette saison. Nous verrons aussi les prétendants à l'Europe pour l'instant, Auxerre notamment. Et nous suivrons en fin d'émission la Division 2 avec les résultats et classements à la trêve. Alors nous allons commencer donc ce téléfoot par les matchs de Nantes. Nantes qui recevait Nancy hier soir. Nantes qui est leader, on le rappelle, d'une courte tête devant Bordeaux. Et Bordeaux, lui, recevait Laval. Pour l'actuel leader Nantes, les données sont simples. Une victoire face à Nancy. Et les Canaries sont assurés de terminer premier à la trêve. 14e minute de jeu, un ballon perdu par une défense nantaise un peu fébrile en début de rencontre. Umpierrez pour Robert Jacques qui tente sa chance. Mais ça passe à côté, un début de match plutôt à l'avantage des visiteurs. Mais à la 24e minute, sur ce long ballon nancéen, récupération nantaise. Ali Lodic descendu très bas qui écarte pour José Touré qui prend le dessus sur Haribar. Il centre et au cordeau. Victor Ramos ouvre le score 1 à 0 pour Nantes sur la première réelle occasion des jaunes et verts. On va revoir sous un autre angle qu'effectivement le défenseur nancéen touche lui aussi le ballon. C'est un but un peu heureux quand même. On revoit. Ça fait 1-0 pour Nantes, très réaliste puisque Nantes n'avait pas montré grand chose depuis le début de la rencontre. On revoit. Et c'est touché effectivement par Ramos, mais aussi par le défenseur nancéen. 31e minute, Martin qui sert Pico, l'ancien Nantais, justement pour Zawi. Donne à Robert Jacques qui est servi Umpierrez qui frappe en deux temps. Et il faut une parade de Bertrand Demann, des Nantais qui sont quand même mis en danger par Nancy qui joue vraiment sa chance à fond. Et là, c'est le poteau qui vient sauver des Nantais. Nancy aurait mérité de regagner la pause sur un score de parité, mais le football est impitoyable, surtout face à Nantes cette saison très réaliste. Et sur une attaque nancienne avortée, on suit l'action dans sa continuité. Loïc Amis qui sert Ramos, qui sert en profondeur à Lilodic, oublié par la défense nancienne, et ça fait 2 à 0. C'est très dur pour Nancy qui aurait mérité d'égaliser, on l'a vu sur l'action précédente en touchant les montants de Bertrand Demann. Et en contre, Nantes double la mise 2 à 0, but d'Ali Lodic. À la 53e minute, les Nantais vont vraiment dominer cette seconde période. Ali Lodic qui frappe et ça passe à côté. Les Nancéens malheureusement ont raté leur chance et on ne verra plus les Lorrains dangereux dans cette rencontre. Là c'est Robert Jacques qui va se faire subtiliser le ballon dans le rond central. Ayash, Pierre Maurice, Ali Lodic pour José Touré qui file dans le dos de la défense et marque le troisième but. Nantes déroule, une victoire un peu en trompe-l'œil, un score très sévère pour Nancy. Et Nantes a été très 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 réaliste, très efficace hier soir côté nancéen. Il y aura un dernier coup franc de Germain, une tête de picot bien captée par Bertrand Demann. Et on en reste là. Nantes impitoyable remporte ce match 3 buts à 0 face à Nancy. Les Nantais qui conservent donc leur place de leader. Bordeaux, Laval, des Bordelais dans l'obligation de l'emporter pour rester au contact du leader Nantes. Des Bordelais, on le rappelle, en début de championnat qui semblaient intouchables et qui ont concédé deux défaites de suite dans les cinq dernières journées, ce qui les met dans la position du chasseur. Et dès les premières minutes, le ton est donné. Bernard Lacombe lancé dans le dos de la défense lavalloise qui frappe et ça passe juste à côté des buts de Godard. 5e minute, Dieter Müller qui récupère encore un ballon. Longue ouverture pour Chalana. Chalana qui tricote, qui donne à René Girard qui tente sa chance. Et c'est bien capté par Godard. La pression bordelaise s'accentue. Et juste avant la mi-temps, sur ce coup franc de Pedrucci un peu mal négocié, Dieter Müller, encore lui, qui est venu chercher très bas les ballons, qui sert Bernard Lacombe dans le dos de la défense. Il file au but. Et plein de sang-froid, Bernard Lacombe qui ajuste Godard. Et ça fait 1-0. Juste avant la pause,
mon équipe de Bordeaux qui aura mis donc une mi-temps pour ouvrir le score, mais c'est mérité. Il y aura une réaction lavalloise au retour des vestiaires, 47e minute de la Montagne, qui bénéficie d'un coup franc. Il le joue rapidement, il décale Sorin. Les Bordelais n'étaient pas très attentifs. Sorin qui centre et Séné d'une bicyclette acrobatique fait frissonner le public bordelais. Et on va voir une erreur d'inattention qui aurait pu coûter cher aux Bordelais. Sur ce centre de Sorin et la reprise, c'était dangereux, de Séné. Mais Bordeaux va reprendre ses esprits. Tigana, Girard, c'est Chalana, Bernard Lacombe qui rentre dans la surface, mais là elle dévisse complètement, ça n'est pas cadré. Un peu maladroit les Bordelais qui restent sous la menace des petites escarmouches lavalloises. 74e minute, Sorin pour Zanko. On va assister à une longue possession de balle des Mayennais. Sorin, encore lui, de la Montagne. Zanko, les Bordelais n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon. Payard, Zanko, on refait jouer encore. Long ballon pour Séné en profondeur. Et finalement, Dropsy met fin à cette longue possession mayonnaise. Les Bordelais qui sont un peu laborieux en cette deuxième mi-temps. Et il faudra attendre la 89e minute pour voir Bordeaux enfin réagir. Tussaud qui centre. Dans un premier temps, c'est sorti par la défense des Lavallois. Un ballon qui va être récupéré par Bordeaux. Girard pour Bernard Lacombe qui va être fauché par Miton. L'arbitre siffle le coup franc. Et un carton jaune en prime pour le défenseur Lavallois. Coup franc que va tirer Alain Giresse. Et là, c'est du grand art. 2 à 0. Bordeaux se met définitivement à l'abri et remporte donc une victoire importante qui permet aux Bordelais d'être deuxième à un point du leader nantais. On le rappelle, pour Bordeaux, c'est un peu une petite déception de se retrouver à la deuxième place, certes, à la mi-championnat. Mais l'essentiel est assuré. Bordeaux pourra passer l'hiver au chaud, comme on dit, grâce à ce beau coup franc d'Alain Giresse. Victoire 2 à 0, un peu laborieuse dans le contenu. Mais Bordeaux s'impose et reste deuxième en s'imposant 3-0 face à Laval. Voilà, on l'a vu, le duel, le mano à mano entre Nantes et Bordeaux continue. Et c'est donc bien Nantes, on le verra à la fin de l'émission au niveau du classement, qui reste premier. Autre affiche très intéressante, PSG 9e qui reçoit Monaco 3e. Le Paris Saint-Germain a vécu des semaines difficiles depuis le début du championnat, élimination en Coupe d'Europe et surtout un gros camouflet dans le derby face au Racing il y a 2 semaines. Maintenant, côté parisien, il fallait absolument l'emporter pour espérer se rapprocher de l'Europe. Quant à Monaco, il fallait là aussi s'imposer pour conforter sa place de 3e. S'il veut encore avoir un espoir de se mêler à la Coupe d'Europe, il faut absolument gagner pour le Paris Saint-Germain qui a enchaîné beaucoup trop de déconvenues. Depuis le début du championnat, la liste est longue. Lanterne rouge pendant les 5 premières journées, élimination précoce en Coupe d'Europe et défaite dans le derby face au Racing Paris. Et le début de match, malheureusement, ne va pas rassurer les Parisiens. Anziani, 2e minute, qui perd le ballon dans un premier temps. Mais mauvaise relance parisienne, Bijota qui resserre Anziani. Bijota encore, Daniel Bravo qui centre. Et Bruno Bellone qui reprend comme à la parade, 1 à 0 pour Monaco dès la 5e minute de jeu. On le rappelle, Monaco 3e qui lui aussi serait bien inspiré de l'emporter pour ne pas être trop décroché par rapport au duo Nantes-Bordeaux. On revoit ce but et très beau travail de Daniel Bravo et la finition impeccable de Bruno Bellone. Mais Paris va réagir, Niederbauer lancé en profondeur. Qui va finalement gagner son duel. Il s'engouffre, il frappe et belle parade des Tories. C'était une belle réaction de Paris, mais malheureusement, qui n'est pas couronné de succès. On suit l'action dans sa continuité. Bruno Bellone, sur l'action qui s'y aurait pu infliger le deuxième but à Paris. Jean-Michel Moutier, titularisé pour l'occasion là aussi, s'interpose. Un match qui va d'un but à l'autre. Et finalement, à la 16e minute, Luis Fernandez. Qui sert Rocheteau sur le côté. Rocheteau qui file, il est oublié par la défense monégasque. Il centre et l'entier du plat du pied vient égaliser pour le PSG. Un partout.
match qui commence sur un rythme très dense, on l'a vu. Et Paris qui se remet sur des bons rails. Nous sommes à la 18e minute de jeu. Un match qui va d'un but à l'autre, 27e minute, Lantier qui décale bien Rocheteau. Rocheteau qui repique au centre, qui donne à Lantier le ballon. Il est renvoyé par la défense monégasque, Fernandez, Rocheteau encore lui, qui va centrer, c'est sorti, Suzic récupère, Fernandez qui tente sa chance, mais ça passe à côté des buts des Tori. En seconde période, Monaco aura aussi des occasions sur cette tête d'Anziani, ce coup franc de Bijota, il n'est pas passé loin de la cage de Moutier. Un match assez équilibré finalement. On est à l'heure de jeu, Guy Auchon qui perd un ballon et là ça va coûter très cher aux Parisiens. Bellone qui sert Anziani à la lutte avec Jean Vion. On pense que Jean Vion va avoir le dessus mais finalement pas du tout. Anziani va au bout de son action et inscrit le deuxième but monégasque. Coup de froid sur le Parc des Princes, il faisait déjà un temps assez glacial hier soir. Et des monégasques beaucoup plus efficaces hein, qui viennent doubler la mise. Et on notera la très belle résistance d'Anziani face au marquage de Janvion, malheureusement un peu juste. Paris tentera des choses pour revenir, mais de manière très maladroite. Là, c'est Lantier qui perd rapidement le ballon. Beaucoup de déchets techniques dans le jeu parisien, même si Rocheteau récupère le ballon pour Niederbauer, mais finalement c'est contré. Rien de bien dangereux. Manque d'inspiration côté du PSG à l'image de cette première partie de saison. Nous sommes à la 78e minute. Stojkovic qui va être fauché par Luis Fernandez. Tout un symbole à une équipe de Paris qui s'en remet à faire des fautes car elle n'a pas d'autre choix. Elle n'a pas d'autres arguments dans le jeu. À la 82e minute, Njolea qui était rentré joue avec Kouriol. Njolea encore lui qui redonne à Kouriol qui frappe mais c'est bien capté par Ettori. Score final 2-1 pour Monaco. C'est la crise pour le PSG. Rien ne va plus. Le PSG est 9e. Voilà, rien ne va pour le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Et hier soir, la situation ne s'est pas arrangée. Des Parisiens 9e au classement, on le verra à la fin de l'émission. Et tout va bien pour Monaco. Monaco qui est 3e, et on le verra là aussi au classement en termes de points de retard sur Nantes et Bordeaux. Autre match intéressant de la soirée, Auxerre-Rouen, des Auxerrois 4e hein, qui sont toujours en course pour la Coupe d'Europe, qui reçoivent des Rouennais Lanterne Rouge. Et il y avait aussi Lens-Marseille. Des Lensois 6e hein, qui se doivent de l'emporter pour toujours espérer accrocher l'Europe. En recevant Rouen Lanterne Rouge, l'occasion est belle pour Auxerre d'enchaîner une nouvelle victoire et de conforter sa 4e place. Et effectivement, la domination serroise va être assez flagrante dans ce match. 6e minute, Zarmak bien lancé sur le côté. Il centre pour Garande, mais qui rate un peu son tir et ça passe devant la cage de Bensoussan. On va le voir, hein, des visiteurs qui vont passer l'entièreté de la rencontre à défendre. 17e minute, Daniel qui sert Zarmak. Belle situation à jouer pour Fiar sur le côté, il y a un décalage. Fiar qui centre Zarmak de la tête qu'il ne peut pas reprendre et Ferreri tente sa chance et bel arrêt de Bensoussan. 47e minute, Auxerre n'a toujours pas trouvé la faille. Daniel pour Garande. Garande qui s'avance, qui va tenter sa chance. Et c'est encore Bensoussan qui se couche bien. Une équipe de Rouen dominée qui s'en remet beaucoup aux exploits de son gardien. 54e minute, Perdriau. Garande encore lui qui sert Zarmak, dos au but. Il décale bien Ferreri, c'est bien joué. Et Ferreri qui s'engouffre dans la surface, mais finalement son tir est détourné et ce sera un corner. Corner tiré par Ferreri lui-même. Et Basile Boli qui reprend le ballon, il tente sa chance, c'est contré. Billard dans la défense du FC Rouen qui s'en sortira encore sur ce coup-là. Les minutes passent, Auxerre n'arrive toujours pas à concrétiser. Cantona, entrée en jeu, sert Barret. Barret qui centre. Et là, c'est encore sorti par une défense de Rouen très bien regroupée, Bertelsen. 85e minute. Auxerre n'a toujours pas la solution et on commence à se poser des questions. Garande, bien servi dans le dos de la défense, il va plus vite qu'Amour, il centre, mais malheureusement c'est dans les gants de Bensoussan et on en restera là 0-0. C'est très décevant pour Auxerre qui n'a pas su concrétiser
sa domination face à la lanterne rouge rouennaise qui est bien contente de prendre ce point, et Auxerre qui fait une mauvaise opération hier soir. Trop de points perdus depuis le début de saison pour le Racing Club de Lens. Et avant la trêve, la venue de l'Olympique de Marseille qui voyage très très mal semble être une aubaine pour des Lensois qui seraient bien inspirés de l'emporter pour revenir, pourquoi pas, à hauteur de la 4e et 5e place. Et effectivement, les Marseillais vont dominer ce match sous une pelouse difficile avec un temps assez exécrable. 15e minute, pressing des Lensois, récupération de Kravzik. Kravzik qui tente sa chance, mais il trouve les gants de Lévy. 34e minute, coup franc marseillais de Rubio qui va être vite récupéré par la défense lensoise. Gillot pour Vercruis, très bon contrôle. Brisson qui sert Xuereb. Il va plus vite que Lopez et Xuereb qui centre, mais finalement il ne trouve pas preneur. La défense marseillaise a eu chaud sur ce coup-là. Mais Lens continue de dominer. 43e minute, ballon récupéré par Zaremba qui décale bien Venancio Ramos, l'Uruguayen, qui centre au millimètre pour Brisson et qui vient tromper Lévy. Ça fait 1-0 pour Lens juste avant la mi-temps. C'est mérité car les Lensois dominaient cette rencontre face à des Marseillais qui n'avaient pas proposé grand-chose comme souvent depuis le début de saison à l'extérieur. Seconde période, domination lensoise qui continue. Brisson qui va donner à Vercruis. Et là, regardez, ouverture au millimètre de Vercruis. Superbe amorti de la poitrine de Ramos. L'enchaînement est parfait et ça fait 2-0 pour Lens. Vraiment une très très belle conception dans cette action. Hier soir, l'homme du match côté lensois était tout simplement Philippe Vercruis. Service au millimètre. Très belle finition de Ramos. Et vraiment, Vercruis étincelant hier soir qui a distillé des ballons d'une très très grande qualité. L'enchaînement est tout simplement parfait. Ça fait 2-0 pour Lens. Marseille ne reviendra pas dans cette rencontre. Hier soir, beaucoup trop timoré face à des Lensois en pleine forme. Là, c'est Brisson qui est lancé dans la surface, qui frappe. Et c'est le poteau qui vient sauver Lévy. Une soirée difficile pour les Olympiens. La situation ne va pas s'améliorer. Marsiglia pour Xuereb. Sommes à la 75e minute. Zaremba. Brisson qui sert Ramos. Ramos qui va plus vite que Flack. Ramos qui centre. Et Brisson à la parade qui vient inscrire le troisième but lensois. Et un doublé pour Brisson. C'était la fête hier à Bollard. Et malheureusement, les Lensois bien aidés par une défense marseillaise aux abois. Et en toute fin de rencontre, une attaque marseillaise avortée. Ramos qui sert Kravzik pour Vercruis. Encore une ouverture pour Brisson au millimètre. Brisson qui déborde, qui centre et c'est bien capté par Lévy. Il est temps que ça s'arrête. Score final 3-0 pour Lens qui termine bien l'année et qui, grâce à cette victoire, remonte à la 6e place à 3 points de la JOCR. Et pour Marseille, c'est une saison bien difficile. Voici donc les résultats de cette 18e journée. Bordeaux-Laval 2-0, Lens-Marseille 3-0, tout comme Nantes-Nancy 3-0. Auxerre qui cale à domicile face à Rouen 0-0. Toulon-Lille 2-1. Encore une victoire pour des Toulonnais, on le verra, qui remonte à la 5e place au classement. Bastia-Strasbourg 2-1. Victoire très importante pour Bastia dans le bas de tableau. Attention, ça va très mal pour Strasbourg. Brest-Toulouse 2-2. Monaco s'impose au Paris Saint-Germain, on l'a vu, 2-1. Et dans le match des mal classés, Tours s'impose 2-0 face au Racing Paris. Au niveau du classement, Nantes premier avec 30 points, deuxième Bordeaux avec 29 points. Ensuite, on voit qu'il y a un trou, puisque Monaco, troisième, compte 24 points. Quatrième, Auxerre, 22 points, égalité avec Toulon, 22 points. Sixième, Lens, 20 points.
7e Brest avec 19 points, égalité avec Metz 8e, 19 points. PSG 9e seulement, grosse déception on l'a dit, avec 18 points. 10e Laval 17 points. 11e Sochaux avec 16 points. 12e Bastia 16 points. 13e Toulouse avec 15 points. 14e Nancy 15 points. 15e Lille à égalité avec 14 points avec Tours et Marseille. Attention, 18e le Racing Paris avec 13 points actuellement en position de barragiste. 19e Strasbourg, attention, rien ne va plus pour les Alsaciens avec 12 points. Et 20e Rouen avec 12 points. Voilà, on l'a vu, hein, une première partie de championnat qui a livré certains enseignements avec les confirmations bien évidemment. Nantes, Bordeaux, Monaco, Auxerre hein, qui sont dans le premier carré. Grosse déception pour l'instant pour le Paris Saint-Germain, 9e. Et des surprises quand on voit que Strasbourg, pour l'instant, occupe la 19e place du championnat. Place à la Division 2 maintenant. Il y avait des matchs au sommet dans cette soirée. Entre dans le groupe A, Rennes-Mulhouse et dans le groupe B, Nîmes-Nice. Vraiment des matchs de haut de tableau entre des équipes qui disputent la montée en première division. Rennes-Mulhouse, des Rennais 2e qui reçoivent... Leader mulhousien, les deux équipes avaient le même nombre de points au coup d'envoi de la rencontre. Un match au sommet dans ce groupe A, mais rapidement, les espoirs bretons vont être douchés dès la 18e minute avec ce but d'Eriksen. Et on va voir que les Mulhousiens, hier soir, sont venus s'imposer en leader en Bretagne. Assad, 50e minute pour Bernardet, qui resserre Assad. Assad qui frappe, c'est repoussé par Pierrick Yarm et qui a suivi Eriksen. Qui vient signer un doublé, 2 à 0. Gros coup de froid sur Rennes hier soir. Et la 63e minute, sur un ballon perdu par Marais, Bernardet récupère dans le rond central. Il sert Assad, complètement oublié par la défense du Stade Rennais. Et c'est le 3 à 0. Une équipe de Mulhouse impressionnante hier soir qui vient punir le Stade Rennais et qui reste plus que jamais leader de ce groupe. Dans le groupe B, là aussi, des Nîmois, 3e, hein, qui reçoivent le leader niçois. Des Niçois qui ont filé au classement. Mais dès les premières minutes, Patrick Kuben, dès la 2e minute, ouvre le score sur ce centre parfait de Nygaard. Côté Nîmois, c'était la fête hier soir face à un leader niçois un peu méconnaissable qui jouait en bleu pour l'occasion. Goudard, 7e minute, lancé en profondeur qui frappe et ça passe à côté du but d'Amitrano. Début de match vraiment trop compliqué pour un leader niçois qui n'avait pas été habitué à être mis en difficulté depuis le début de saison. Kuben qui sert Goudard. Goudard qui repique au centre et il décale Nygaard du plat du pied qui vient tromper Amitrano. 2 à 0. On joue seulement la demi-heure de jeu et le leader azurien est au tapis. L'équipe nîmoise survoltée hein, hier soir. Même si les Niçois vont réagir ensuite, forcément le jeu va tourner à leur avantage. Ils courent après le score. Là c'est Larsson qui veut centrer, tête de Dominguez, mais ça n'est pas cadré. Des Niçois qui vont monopoliser le jeu ensuite, mais sans réussite. Là c'est Gemrich pour Dominguez. Castagnino qui redonne à Dominguez qui frappe. Une belle parade de Morisseau. Côté nîmois. Le début de match flamboyant leur a permis de renverser le leader niçois, Gemrich, Lefebvre. Il veut servir Dominguez, un ballon qui est mal renvoyé par la défense niçoise. Lefebvre, encore lui. Il sert Dominguez qui va tenter sa chance, mais ça passe à côté. Pas de réussite pour l'OGC Nice. Et il y aura une dernière occasion en toute fin de match. Herrero qui centre. Pour Nygaard dans un premier temps, c'est récupéré par Lopez qui tente sa chance, mais c'est dans les gants d'Amitrano. Score final 2 à 0. Très bonne opération pour Nîmes qui remonte à la deuxième place. Et Nice qui est battu. Il y avait fort longtemps que les Niçois étaient invaincus. Attention, tout reste serré dans ce groupe B. Voici les classements hein, de cette division 2, très passionnante. Regardez dans le groupe A, premier Mulhouse 26 points, deuxième Le Havre 25 points, égalité avec Orléans 25 points, quatrième Rennes 24 points,
à égalité avec Guingamp 5e, 24 points, c'est-à-dire qu'entre le premier et le cinquième, il n'y a que 2 points d'écart. Et la sixième place de Valenciennes avec 22 points. Un groupe A très très serré. Dans le groupe B, Nice, qui caracolait en tête jusqu'ici, reste leader avec 25 points, mais voit Nîmes revenir à 2 points. Nîmes 23 points, égalité avec Montpellier 23 points. Quatrième, et c'est la surprise hein, de ce classement, Thonon avec 23 points, les Hauts-Savoyards qui créent la surprise. Cinquième, la Escane avec 22 points. Et on notera le retour de Saint-Étienne qui pointe le bout de son nez à la sixième place, certes avec 20 points, mais rien n'est perdu pour les Verts, on le rappelle, qui étaient 14e du championnat à la 9e journée et qui ont enchaîné les bons résultats ces dernières semaines. Et pourquoi pas maintenant prétendre se mêler à la remontée en Division 1. Voilà ce numéro de Téléfoot consacré à la 18e journée, la dernière journée de l'année 1984 touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons à partir du 7 janvier pour la reprise du championnat de Division 1. Un championnat, comme on l'a vu autant en première qu'en deuxième division, qui s'annonce très indécis. Mais maintenant, place à un peu de repos, place à la trêve hivernale. Rendez-vous le 7 janvier. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.